Les missionnaires qui sont venus apporter l'Église en France l'ont apporté avec leurs coutumes, avec la façon qu'ils ont connu l'Église en Afrique, avec des choses bonnes, des choses mauvaises. Mais ces missionnaires, il ne faut pas jeter l'eau sur eux. Ils sont venus apporter l'Église primitive. Mais en France, l'Église, elle est ordonnée. Elle est structurée. Où elle est sous l'autorité du pays. On ne peut pas avoir une Église désordonnée dans un pays qui est ordonné. Ce n'est pas possible. Si nous voulons avancer, nous devons respecter les lois de ce pays. Et c'est là que j'interviens. Je dis à tous nos dignitaires qui sont venus apporter l'Église en France, pourquoi elle n'est pas encore reconnue nationalement? Et c'est à vous, et ce sera votre travail futur, que l'Église soit reconnue nationalement. Nous, on n'a pas pu faire cela, parce que vous avez, et vous êtes en train de découvrir tous les freins qui empêchent l'expansion de l'Église en Europe. Et vous le mettez au grand jour devant chacun d'entre nous. Nous disons tout bas, on reste nous entre nous, mais la réalité, elle doit sortir. Il faut dire la vérité. Si nous voulons que l'Église puisse prendre une expansion, aller frapper à la porte de nos frères et sœurs métropolitains qui sont autour de nous, on doit pouvoir évangéliser, apporter que la parole. L'Église, elle est venue avec la parole de Dieu. Elle n'est pas venue avec les cérémonies. Et c'est ce que nous faisons actuellement. On fait passer les cérémonies avant la parole de Dieu. Nous ne pourrons jamais évangéliser. Les cérémonies, à un temps donné, vont s'arrêter. Mais la parole de Dieu restera. Alors, apportez la parole de Dieu. Apportez la connaissance que Christ nous a donnée. Et laissez les cérémonies. Même si l'Église est venue avec une force pour pouvoir combattre les sorciers, mais laissez les sorciers. Mais vous, nous, on ne peut pas combattre les sorciers si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, la force que Dieu nous donne. Les gens pensent que, oui, je suis, mais ils oublient quelque chose. La parole qui est importante. C'est avec ça qu'on nourrit le peuple. Si on ne sait pas nourrir le peuple avec la parole, on ne pourra jamais avancer. Et l'Église ne prend aucune expansion en France. Évangéliser, il faut d'abord qu'on se mette en règle avec les lois et les commandements de ce pays. Nous ne pouvons pas avoir au sein de notre Église des dignitaires, soit qui commettent l'adultère, et on veut évangéliser. Vous venez évangéliser quoi? Parce que, on va dire, il est faux. On dit de ne pas commettre l'adultère dans nos lois, mais nous avons tous nos dignitaires qui commettent l'adultère à gauche, à droite. Et vous voulez évangéliser? Il faut leur dire la vérité. On ne pourra jamais évangéliser avec des tels comportements. C'est pourquoi je dis, quand Papa Oshofar a reçu ce message, en 1947, si ma mémoire est bonne, il était très peu. Aujourd'hui, combien? Nous sommes des millions. Laissez l'Esprit de Dieu faire et travailler et évangéliser. Nous, les hommes, on essaye à la place de Dieu de faire des choses, mais que pour l'instant, que Dieu n'a pas voulu. Parce que quand Christ, Jésus-Christ lui-même, il est venu évangéliser. Mais on s'est posé la question, pourquoi Dieu n'a pas envoyé les anges pour pouvoir accomplir sa volonté sur cette terre, sur tous les pécheurs que nous sommes? Non, il a pris son fils et à côté, il a pris des apôtres. Alors, nous sommes là, nous sommes des apôtres. Apportons la parole pour pouvoir évangéliser, tout simplement, que par la parole. Mais cette parole, elle va se faire avec la conscience de chacun d'entre nous en disant que Christ est amour. Si je parle avec foi
de la parole de Dieu. Ceux qui doivent m'écouter doivent ressentir, je dois convaincre quelqu'un, oui, Jésus-Christ est vivant. Mais au jour d'aujourd'hui, nous prêchons. Peut-être à les convaincus, mais les nouveaux, ils entendent, après ils retournent dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a pas, ils ne sont pas convaincus que Jésus-Christ est vraiment la pierre angulaire de cette église. Papa Choufa, quand il prêchait, ah, tout le monde courait. Pourquoi les gens couraient pour pouvoir se baptiser et adopter l'église? Parce qu'ils étaient convaincus. C'est que nous avons un retard dans l'évangélisation pour que le monde soit convaincu de cette église. En vérité, devant Dieu, c'est vrai. Il y a des moments où j'ai même pensé, Seigneur, je quitte, je reste chez moi, j'enlève ma soutane. Parce que devant le désordre, les méfaits que nos frères et sœurs, devant ce que font les visionnaires, beaucoup de familles ont été complètement endettées. Et le mensonge d'hypocrisie que nous avons au sein de l'Église, il m'est arrivé à pas de douter, mais j'étais comme Jésus-Christ. À un moment, dit Seigneur, enlève ça devant moi. Mais ce qui m'a redonné très vite, c'est que le Seigneur vous redonne courage. C'est quand quelqu'un vient de témoigner ce que Dieu a fait. Quand une personne est venue pour la première fois, qui ne marchait pas, ou qui ne voyait pas, ou qui avait des problèmes, ou qui avait le cancer, on a simplement prié pour cette personne, et le Seigneur a fait miséricorde. Et c'est là qu'il donne la force de continuer. Pas pour nous, mais pour dire que l'Église, elle est bonne. C'est ça que nous devons retenir. Ne soyons pas découragés. C'est pourquoi j'essaie de porter matin, midi, soir le fardeau. Ce n'est pas facile de porter le fardeau. Les fardeaux, les poids de chacun d'entre nous, les difficultés de chacun d'entre nous. Mais on doit le savoir, on ne peut plus reculer, on doit simplement avancer avec cela. Dans l'église chrétienne céleste ou dans l'église, on peut interpréter comme une bonne chose ou des choses négatives vis-à-vis de chacun, comment la personne le conçoit ou perçoit le zèle. On peut dire que le chargé fait tout. Ah oui, c'est son zèle. Elle a décidé. L'autre dit, ah non, tu ne peux pas faire cela. Tu fais trop de zèle, tu n'es pas seul. Mais beaucoup d'entre nous oublions quelque chose. Si on regarde dans le cœur de chacun d'entre nous, ce n'est pas du zèle, c'est l'amour que nous voulons faire avancer, que Christ nous a donné pour faire avancer et porter haut son œuvre. Ce que vous faites vous là, c'est par amour, vous n'attendez rien en retour. Beaucoup vont dire vous faites du zèle, c'est pas du zèle. Mettez des boules de caisse et faites ce que vous devez faire pour faire avancer l'église du Christ Saint-Céleste. Le monde voit que les choses négatives. Mais regardez les choses bonnes, ils sont incapables de le faire. C'est pourquoi je dis le zèle peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Si c'est le zèle que Christ t'a donné pour porter haut l'église du Christ Saint-Céleste, soit lui, j'ai le zèle parce que Christ me l'a donné. Ce n'est pas le zèle des hommes pour me glorifier, non. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas faire cela. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas faire ce que vous faites. Très peu ne pourront pas le faire. Ce zèle que Christ vous a donné, gardez ce zèle-là. C'est pour ça, c'est du zèle. Non pas pour votre propre gloire, mais pour la gloire du Christ Saint-Céleste. C'est ça que je convoile dans le zèle, quand tu me poses la question, le zèle. C'est ça le zèle qu'on doit avoir. Le zèle, c'est simplement de la porter la parole à Dieu pour pouvoir convaincre que l'Église, elle est bonne, que ceux qui sont malades, juste en priant. Beaucoup, Papa Chauffard a ressuscité des morts, mais depuis qu'il est parti, il y a peut-être d'autres qui ont ressuscité des morts, on ne le sait pas. Mais ce n'est pas pour se glorifier. Mais le zèle, c'est l'humilité, l'amour du prochain. Et je fais quelque chose tout simplement pour que son nom soit glorifié. Voilà le mot de zèle selon moi. Nous sommes en Christ. Maintenant, on arrive à tout supporter. Les torts des anciens, le tort de nos frères et sœurs, les blessures de nos propres familles, les blessures de nos frères et sœurs. Il faut laisser tout ça là, de côté. Les bienfaits, tant qu'on marche avec Jésus-Christ, on n'aura toujours que ses bienfaits. Il ne faut pas chercher à savoir
les torts, ce qu'on a. Non, parce que Jésus-Christ, il n'a pas cherché cela. Tout en étant rentrant à Jérusalem, les gens étaient joyeux. Les mêmes personnes l'ont lapidé. Alors, qui a le tort? Il est bien fait. J'ai fait du bien, mais on m'a lapidé. Vous comprenez? Alors, ce que nous devons savoir rechercher, simplement retenons que l'amour du Christ. Je redis l'amour de Jésus-Christ, tout simplement. Et vous verrez qu'on ne va pas chercher les bienfaits et les torts. Parce que si nous rentrons dans ce débat-là, on ne pourra pas terminer. On va toujours essayer de s'expliquer, de trouver les causes. Mais Jésus-Christ n'est pas rentré dans cela. Il n'est pas rentré dans cela. Il dit c'est simplement pour glorifier mon Père. Dans la partie spirituelle, il faut savoir faire une coupure. Et pour répondre concrètement à ta question, là, si on peut prendre quelques jours de repos, est-ce que mon esprit est en vacances? Est-ce que je suis... Ma moitié, ma conjointe, elle est prophétesse. Nous étions aux Antilles. Elle dit, mon esprit est en vacances. L'esprit est tombé sur elle, elle dit, non, mon esprit est toujours là, je ne suis jamais en vacances. Elle a demandé pardon, Seigneur, oui, 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 oui. C'est simplement pour vous dire que nous, ceux que nous avons, Dieu nous a donné cette charge. Il y a des moments, il faut savoir couper. Parce que dans la partie spirituelle, nous sommes complètement déconnectés. Si on ne reprend, on ne coupe pas pendant 24 heures pour se reposer, nous ne voyons pas, nous n'aurons pas un jugement juste. Il est bon qu'une petite semaine de repos pour se recharger spirituellement est nécessaire pour tout chrétien. J'ai dit pour tout chrétien. Parce que quand vous êtes matin, midi, soir, vous ne voyez que ça. Mais coupez. Pour preuve, quand vous allez dans vos vacations personnelles, que dit la parole? Faites ce que vous avez à faire quand vous êtes marié et revenez à la prière. Hier. Mais si moi je suis matin, midi, soir dans la prière, à quel moment que j'aurai le temps d'avoir ce que dit la Bible, de m'occuper de ma famille, de ma femme? Vous comprenez? Il y a un temps pour chaque chose, il faut savoir couper. Et le chrétien céleste, à un moment, même papa au chauffeur le faisait. Alors, pourquoi pas nous? Ne soyons pas plus sanctifiés qu'on l'est. Hein. Le Seigneur a tout donné. Il y a un temps pour chaque chose. Ne soyons pas plus saints. Parce qu'il a dit, mon esprit ne peut pas rester éternellement dans l'homme. Alors c'est pourquoi il est bon que nous, on arrive à avoir 24 heures de repos, 48 heures de repos, pour se consacrer à ses enfants, parler, jouer avec eux, même y sortir, pour voir effectivement qu'on fait, on vit dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Si nous sommes sollicités de toutes parts, comment fait-on pour pouvoir s'en sortir? Est-ce que j'aurai le temps matériel de tout faire? Est-ce que j'aurai le temps matériel de m'occuper de la paroisse, d'honorer toutes les invitations? Est-ce que j'aurai le temps matériel de mon frère qui se marie, ne pas être à son mariage? Le temps matériel, ma soeur qui est décédée, ne pas honorer sa dernière demeure? Il y a des priorités. Et Christ, c'est lui qui gère notre temps. Je le répète devant vous. Quand vous venez à l'église, ici, passez une heure. Après, allez à votre service travailler. J'ai fait une heure pour Dieu. Si je vais à un mariage, je suis dans un mariage. Je suis avec mes frères et sœurs joyeux, mais je sais ce que je dois manger, ce que je ne dois pas boire. Mais je suis avec eux en communion. Quand il y a le deuil, je suis présent. Ce n'est pas parce que je ne suis pas céleste. Non, je fais tout ce qu'il faut. Mais sauf, nous avons des lois et des préceptes, après je les respecte. C'est pourquoi il ne faut pas que nous soyons... Et nous mettons dans l'impossibilité de ne pas gérer toute chose. Avec le concours et la volonté du Saint-Esprit, on arrive à gérer ce que Dieu nous donne.
Et Dieu nous donne un temps pour chaque chose. Le moment pour œuvrer pour lui. Quand vous venez à l'église, je suis chargé. Mais quand je suis à la maison ou au travail, je suis responsable des achats. Je ne mélange pas les deux. Chacun dans un poste. Si pour l'instant je ne suis pas encore, je travaille, mais le jour que je serai à la retraite, si c'est à plein temps, je serai à plein temps. Mais pour l'instant, non. Dieu le savait que être chargé, j'ai ma famille à nourrir, j'ai mes impôts, j'ai mes crédits, comme tout le monde. Et on veut vivre. Celui qui ne travaille pas n'est pas nourri. Il n'a pas d'argent. Alors, l'Église en France n'est pas encore structurée pour pouvoir payer des chargés paroissiaux. Les loyers coûtent très cher, les charges sont énormes. Beaucoup de paroisses n'arrivent même pas à payer leur loyer. Ils ont des loyers, des dettes énormes. Alors, non. Prenons le temps pour gérer et faire toutes choses en tout simplement. À long terme. C'est vrai que nous avons un projet d'achat d'un local. Mais pour prêter à des associations religieuses, il faut savoir épargner pendant au moins 5 ans. Alors nous épargnons pour que nous puissions demander un prêt, un crédit, pour pouvoir acheter quelque chose. Parce que beaucoup de paroisses sont en location. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si on faisait la somme exacte, totale, de toutes ces sommes qu'on donne, on aurait pu, en moins de 3 ans, 4 ans, bâtir quelque chose pour Dieu. Mais l'orgueil nous empêche cela. L'orgueil nous empêche cela. Les onctions, les grades, je suis arrivé et je vais créer ma paroisse. Et vous regardez le nombre de paroisses qu'il y a, vous verrez que toutes les paroisses sont en location, à part celle que je connais, que si ma mémoire est bonne, à Drancy, que nous avons acheté, que Dieu a permis que nous achetions. Sinon, c'est tout. Il faut qu'on arrive à se motiver, dire que, avec sincérité, il faut qu'on revoie le fonctionnement de notre église en France ou dans les pays en Europe pour pouvoir acheter et définir l'église comme ça se doit. Comme en Afrique, il y a des super paroisses, mais nous sommes incapables ici en France, avec les lois, les structures, les règlements, de faire cela. Pourquoi? Et nous disons qu'on doit évangéliser. Et c'est l'Église qui va sanctifier le monde. Nous avons beaucoup de retard à faire. Il faut qu'on regarde nos fautes, nos incapacités devant nous, pour dire que c'est l'Église qui va sanctifier le monde. C'est la vérité, oui! Peut-être qu'on ne sera pas dans ce monde. Non. On ne peut pas développer et bâtir sur du sable. Si je veux de papa, je veux avoir un enfant là. Mais ils vont se nourrir comment, mes enfants? Si le papa n'est pas riche, si le papa n'a pas donné les donations, ce qu'il faut pour... Non! Il est bon qu'on arrête de créer les paroisses, qu'on arrive à structurer quelque chose de bien, pour pouvoir faire un développement. Le développement, ce que je pense faire, c'est que, vous allez m'excuser mes frères, c'est que ressouder toutes nos paroisses des îles pour que, comme la diaspora antillaise, elle est motivée pour leur dire que nos frères africains ne sont pas mauvais. Ce n'est pas les comportements que vous avez vus en France. Ce n'est pas les comportements que vous avez vus dans les réseaux sociaux qui vous permettent de dire des choses comme cela. Non. C'est unifier l'Église avec la parole de Dieu et l'amour de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à être chrétiens célestes. Et un développement, c'est que le 24, c'est que tout, quel que soit les religions, on se retrouve pour Jésus-Christ est né. Pas dans une paroisse céleste, mais dans un lieu où toute la diaspora, plus les chrétiens, plus les musulmans, où j'invite toutes les congrégations religieuses à venir le 24, se retrouver pour faire connaître l'église du christianisme céleste. C'est ça. Nous avons
un développement avec les protestants. Un pasteur, il m'a dit, je vais vous inviter, je vais les côtoyer pour qu'ils comprennent notre Église. Et eux aussi, on va les inviter avec dans nos offices et on ira dans leurs offices pour qu'on parle de notre Église. Et j'aurais assumé que vous venez voir, filmer et parler de cela. Une fois que vous aurez pu faire toutes les paroisses, allez voir et poser leur question, comment vous voyez l'Église du Christ Céleste? Ce sera une très bonne chose pour vous. Alors, laissez-moi faire ce petit travail. Allez voir mes frères et sœurs, différentes congrégations religieuses. Et après, je vais vous introduire pour leur demander l'impression de l'Église du Christ Céleste. Et là, peut-être, le nom de Dieu sera encore glorifié. Diocèse. En France, nous avons plusieurs diocèses. Quand je veux parler de l'Église, je parle simplement de l'Église du Christ Céleste. Je ne parle pas du « je suis de telle mouvance ». Je parle de l'Église du Christ Céleste. C'est ce que je représente. Maintenant, si je parle du diocèse, il faudrait que j'ai l'accord de mon chef du diocèse pour faire telle chose. Et ce sera faux et mesquin de ne pas leur dire « attention, il y a d'autres diocèses ». Et ce que je vais leur apprendre, à côté, ils feront tout le contraire. Ils vont dire « monsieur, vous êtes un menteur dans votre Église ». Allez regarder ce qui se passe à côté. C'est ça, la réalité des choses. Parlons simplement de l'Église du Christ Céleste. Ne parlons pas, quand nous voulons faire des actions comme cela, c'est pour faire connaître l'Église. Et avec les divergences de point de vue, d'interprétation, de différentes façons qu'on fait le culte, mais quand on va voir les novices, ceux qui veulent apprendre ou connaître notre Église, il faut simplement parler de l'Église et de l'amour avec quelques disparités. Mais ne rentrons pas là-dedans. Parce que quand on va, oui, aller voir votre diocèse, ah, oh, ben, il dit, ben, en France, vous pouvez avoir 3, 4, 5 diocèses pour une même église. On ne vous a jamais posé cette question. Et on me l'a déjà posé. Comment se fait-il qu'en France, l'église catholique, elle n'a qu'un seul diocèse. Mais l'église du Christ Céleste, ici en France, elle a au moins 4 ou 5 diocèses. En fonction de la mouvance qu'on est. Est-ce normal? Est-ce normal? Il n'y a que Dieu qui connaît la solution. L'échec forme et rend plus dur. Et les échecs nous apprennent à connaître les hommes. Parce que quelquefois, on apprend à connaître les hommes, mais ils sont bipolaires. Le mensonge est en eux. Ils sont blancs et noirs en même temps. Ils sont hypocrites. Ils vont te dire devant toi des bonnes choses. Mais derrière toi, ils vont vouloir te dénigrer pour te dire tout ce que tu fais n'est pas bon. Mais ils ne te le diront pas en face. Vous comprenez? Et c'est ça, l'Église. Non, je ne vais pas parler d'échec, parce que c'est dans les difficultés qu'on voit si nous sommes vraiment appelés à être chrétiens. Si on ne sait pas supporter les réprimandes, les blessures de nos propres frères et sœurs dans l'Église, on ne peut pas être chrétien céleste. Et on ne peut pas dire que je suis enfant de Dieu.